C'est un véritable exploit qu'a réalisé Yuichiro Miura. L'homme, qui a atteint en fin de semaine dernière le sommet de l'Everest, est âgé de 80 ans. Le facteur clé est de ne jamais renoncer à votre rêve, a déclaré cet ancien skieur lors d'une conférence de presse dans la capitale népalaise. Une brève amélioration des conditions météorologiques a permis à Miura de quitter l'Everest par hélicoptère dimanche, soit 3 jours après avoir gravi les 8 850 mètres du mont. Il avait initialement prévu de redescendre samedi, mais le manque de visibilité et les mauvaises conditions météorologiques avaient empêché le décollage de l'hélicoptère. Le Japonais avait déjà remporté ce titre en 2003, mais un Népalais le lui avait ravi. Jeudi, Yuichiro Miura est donc redevenu le plus vieil homme à atteindre le toit du monde. Il verra donc de nouveau son nom inscrit dans le Guinness des records.